Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur Gravity Rush 2 pour le grand retour. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas streamé sur ce jeu. Du coup, je m'excuse aussi pour ça parce que ça fait. Putain, ça fait 2 semaines que j'ai pas streamé sur le jeu. Enfin, la semaine dernière, je n'ai pas pu beaucoup streamer parce que j'étais énormément crevé. C'était pas qu'au boulot, c'était d'enfer. Vous imaginez même pas. Donc, au final, j'étais extrêmement crevé. Je pense que ça sent un petit peu à ma voix que je suis quand même assez fatigué. Et là, cette semaine, ça va être pareil. Mon chef est en vacances, alors du coup, en plus, sachant que c'est pareil, bah, c'est la fin de Pâques, donc on va y avoir encore du boulot et tout. Ça va être. Je vais être crevé, donc c'est pareil. Cette semaine, je ne pense pas pouvoir streamer beaucoup, mais j'espère que ça le fera quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que je tenais à m'excuser de mon peu de live que j'ai fait sur Twitch, même sur mes vidéos YouTube, et mes lives quasi inexistants, hein, parce que j'ai dû liver que deux fois, il me semble. Il me semble que ça, ouais, j'ai dû live que deux fois en une semaine, quoi. Donc, j'ai vraiment pas streamé beaucoup, donc je m'en excuse d'avance. Mais bon, aujourd'hui, j'espère que votre week-end se passe bien. J'espère que vous passez une joyeuse Pâques. Parce que un joyeuse Pâques, je sais pas, donc j'espère que vous passez une joyeuse Pâques. Les chocolats sont excellents pour vous. Et puis j'espère que vous serez content de passer un petit live avec moi. Puis bien évidemment, il y aura YouTube. Donc il y aura une diffusion YouTube, donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, bon sur ce, on va partir tout de suite pour tout ce qui est Kate Alex. Donc avec Kate, peut-être les finir, et peut-être si j'ai un petit peu le temps, peut-être partir sur God Eater. Je suis God Eater, mais je me lasse pas de jeu, mais c'est violent quand même. C'est violent quand même, je ne me lasse pas du tout du jeu. Enfin bon, pour moi, God Eater, ouais, c'est vraiment un RPG unique, hein. Il n'y aura pas de God Eater comme ça. J'aime beaucoup. Après, le mois prochain, si je peux prendre Persona 5 et faire un let's play sur Persona 5, que bien évidemment, je ferai jusqu'au bout parce que la Soma et Yu-Gi-Oh! C'est un petit peu laissé de côté, on va dire. La petite lampée. Parce que Soma, voilà, c'est un petit peu, voilà, ça ne m'attire plus spécialement, Soma. En fait, ce que je trouve dommage sur Soma, c'est que c'est un jeu d'horreur sans en être vraiment un. C'est juste l'ambiance qui est un petit peu oppressante. Mais sinon, Soma, le seul truc qui me dérange, c'est vraiment le gameplay en lui-même. Et c'est ce que je trouve dommage. Bon, comment t'habiller? Hein? Hein? C'est quoi la différence entre le 2.0 et le 1.0? J'ai l'impression qu'il y a moins de motifs. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de motifs. Ah, c'est ça, il y a beaucoup moins de motifs. Et le dos est recouvert. D'accord. D'accord, mais donc c'est ça la différence entre les deux tenues. Bon, écoute. J'ai envie de te dire, si on veut faire des quêtes annexes, on va les faire tout de suite. Fiche prodige, les rouages de la joie, et ensemble. C'est étrange. Ah, celui-là, putain, il me très bien. Attends. Hop, voyage par bouche des coups. Oui. Je t'ai très bien demandé, est-ce que j'ai une bouche d'égout au mois de libre? Parce que si je dois faire tout le trajet au volant, ça va être légèrement long. Mais bon, c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, du coup on fait comme ça. Arrive à lui. D'accord. Nickel. Je t'ai regardé mon live et du coup il y a eu un saut d'image sur mon live. C'est même pas free, c'est vraiment un saut d'image qui est. C'est vraiment, je suis passé de la carte au chargement, quoi, c'était étrange. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, les chargements sont toujours aussi longs, ça ne charge pas. Attends, du coup, j'ai quoi comme talisman?
boost se ressent. On monte la dégâts infligée en streamer. Ah, par contre, du coup, je vais reprendre un truc de gravité. Il est où, accélérateur au-delà? Je pense pas qu'il soit là. Tonique, auto-apesanteur faire les objets à porter. Voilà. Je vais voir si je peux augmenter quelque chose aussi. Tant qu'à faire, on va faire les choses jusqu'au bout. Faire la pesanteur. Ah oui, putain, mais ici, on est pas. Prolonge la durée de l'immobilisation des ennemis lorsque tu maintiens en rond. 2000. D'accord. 300. 7000. Parfait, ennemi prend une 17 pour. GSP. Ouais, c'est pour le style. Voilà, style Jupiter, c'est ce que je veux dire. Faut baisser moins vite la jauge de gravité. Esquive supplémentaire permet de réaliser 4 esquives à la suite. D'accord. Sur carré pour la fusée pour réaliser une attaque. D'accord. Super chier dans un combo. D'accord. Un coup de pied gravitationnel. Ouais, bah écoute, on va prendre ça. On va prendre ça. Alors, vu comme les pourcentages montent quand même, c'est assez violent, hein. Ah oui, d'accord. Super. Améliore la récupération SP lorsque combo touche un ennemi. Du coup, ça termine par une onde de choc. Ah, stylé. On plus les combos. Ah. Allez, go. Oui, oui, je l'ai eu la tenue. Mais faudrait que je regarde. Elle est vraiment comme ça dans le premier Gravity Rush, la tenue. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas regardé les nouveautés. Ah non, mais c'est toutes les annonces. Un overstory, là, ça s'en fout. La maison de 4 talismans. Voilà. Regarde, ils ont mis tous les nouveaux là. Ok. Gravité N à point 0, nouvelle tenue. Que j'aime pas spécialement. Du coup, il manque des motifs. Après, peut-être que la tenue du premier Gravity Rush était comme ça, mais je m'en souviens plus du tout, sincèrement. A mon avis, oui, s'il a dû faire quelques retouches site sur le costume, c'est qu'à mon avis, oui, la première tenue devrait être comme ça. Zone de rotation en cours. Salut tous les viewers! On travaille tout notre caméra, ouais, on s'en fout. Ah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus rien de nouveau sur le jeu. Ouais, non, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau sur le jeu. Je trouve ça un petit peu triste. Viola de la 7, Play de son Kino. Play de son Kino. Salut tout le monde. Le jour où on saura vraiment ce que. Enfin, quelle langue c'est, la langue qu'elle parle. Parce que c'est comme pour les Sims, hein. Le fait d'avoir inventé leur propre langage, je trouve ça classe. Je trouve ça vraiment classe. Ah, ça faisait longtemps, toi. Un long extraire du minerai. Tu devrais faire venir ta partenaire. Raven. Il n'est encore jamais allé à la mine, n'est-ce pas? Tu connais la règle. Un travailleur fainéant n'aura rien à manger. Il est une ouvrière affamée. Va vider toutes vos réserves de nourriture. Quelqu'un dit de nourriture. Enfin, Kat, elle, c'est pareil. Quand on parle de brochette, c'est toujours la première à y aller. Enfin, c'est brochette, saucisse, beignet, je crois. Les trois péchés mignons de 4. Alors que Raven, elle a pas de différence sur la bouffe. Et tu veux venir extraire du minerai avec nous? Tu ne l'as encore jamais fait, pas vrai? Viens, je t'expliquerai comment ça marche. Bah, tu tapes sur le minerai, puis c'est bon. Hein. On serve. Ça me paraît bien, allons-y. Ah oui, putain, oh, l'arrivée triomphale, quoi. D'accord. J'ai bien regardé les cinématiques comme ça pour juste pour voir le changement de décor.
Ça m'a toujours fait kiffer. Ta poussière, il est bien là, il est au bar. Il profite du vent. Ça m'a toujours fait kiffer de voir les choses vont pas comme ça. Il faudrait que je continue mes lives sur les explorations de failles. Parce que je sais que dans le premier Gravity Rush, il y avait des défis spéciaux, ce que j'appelais les petits boss secrets, les défis verts. Et je sais pas si du tout, enfin je sais pas du tout, pardon, c'est plus français. Je ne sais pas du tout si dans ce Gravity Rush là, bah il y en a aussi. Donc, peut-être, pour moi oui, ça se trouverait dans les explorations minières. Ou à moins qu'on pourra retrouver Gad et retourner dans les failles. Mais je pense pas, personnellement. Personnellement, je pense pas, enfin bon, on verra bien. Ah, de retour ici. Kat, es-tu en position? Quel est cet endroit? Elle ne prenait que du minerai équivalent à ce que prenait une seule personne, d'accord? Quoi? Alors, ce que prendrait une seule personne, d'accord? Pourquoi? D'accord. Nous devons trouver des gisements et creuser pour extraire les minerais. Tu prends les minerais et voilà, c'est tout ce que tu faut faire. Oui, oui, tu m'étonnes. Quand tu es nouvelle, la facilité de minerais devrait suffire. Tu es en train de lancer un défi à Raven là, c'est. Ça va sûrement l'impressionner. D'accord. Oh putain! Non mais elle est sérieuse! Putain, mais elle fait peur en plus! Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vues en plus. J'essaie de m'éloigner un petit peu d'elle quand même. Putain, y'en a vraiment plus de. Si, y'en a vraiment. Oui! Mais j'en veux d'autres! D'accord, super. Arrivé, moi j'en ai récupéré plus. Je crois que je commence à piger le truc. Bah en même temps, tu t'appuies juste dans les minerais et tu récupères quoi. Il y a vraiment rien de spécial. Quand je n'ai pas vraiment compté, alors je ne sais pas en quelle quantité j'ai récupéré. Oh yeah. Non mais t'es sérieux Kat? Enfin t'es sérieuse? Ne te force pas trop hein. Prendre son temps est très important si l'on veut extraire des minerais de bonne qualité. Non mais vous êtes sérieuse? Mais... Surtout que tu vas pressionner les autres en récupérant plus qu'une débutante. Mais déjà, comme tu l'as dit, c'est une débutante, donc y a pas de fierté à de plus qu'elle, tu vois. Ah putain, y'a un moustique au-dessus, c'est génial. C'est ce que j'appelle les moustiques. Ah, c'est Nivy volant là, j'appelle ça des moustiques. Ah putain, c'est là où j'aimerais bien changer de talisman. Hop. Est-ce que j'ai ça quand même la connerie? Ou sinon j'y vais en full J'y vais en full champ d'apesanteur et je balance tous les objets dessus. Parce que très clairement je vais avoir besoin des attracteurs de gemmes pour les récupérer. Donc vas-y, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ah mais monte, mais... Ah.
partez sur des conneries les filles, sincèrement. Putain, je t'ai vu quoi. C'est ça, occupe-toi du Navy. C'est ça. Je te love, Ravel. Ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu je te love. C'est ça, occupe-toi du moustique. Faudrait que je récupère tous les minerais. Oh, ça. Il me reste 6. Oh mais il y a moi. Raven. Oh yeah. Toi comment tu as Laïs. On va sur le suivant pour retrouver ta compétition. Oh là là là, je viens d'absolument aller. Mais Kat, mais tu pars dans des délires. Je sais bien que Raven est ta rivale comme elle est ta meilleure amie, mais quand même, calme-toi. Merde, je peux pas te dire. Le monde se divise en deux catégories. Qui creuse pas. D'accord. Oui, j'ai regardé sur le live la phrase, mais. D'ailleurs, j'aurais pas dû creuser le minerai, j'étais très con. D'accord, donc là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus grand espace. Attends, j'ai tombé boire un coup ou pas? Nickel. Non mais 4. Ah. Un CV. Merci. Oh, bah tiens. Merde. Bah j'appuie sur carré pourtant. C'est bon. là-bas. Mais le pire c'est qu'elle me suit, ça me suit. Bon, vous voyez, c'est le jeu qui est codé comme ça de sorte à ce que Ramène te suive. Quand même quoi, s'il te plaît. Laisse-moi le minerai. Je sais que t'es à côté. Ouais bah là on l'a vu. Oh j'ai chaud. Non mais casse-toi. Ça s'est fui Ravel. Oh putain là il y en a pas. D'accord, il y a pas de chute. Génial. Alors avant j'ai la tracteur de gemme, donc normalement ça devrait pouvoir être bon. Voilà, normalement j'ai gagné. Voilà. C'est sûr que je vais battre Raven cette fois-ci. Ah mais 4, ça va faire 2 ou 3 fois que tu perds contre Raven, t'imagines pas que cette fois ça va être différent. Alors on ramassera toujours plus que toi. Non quoi. Pas terrible. Tu es encore débutante après tout. Non, mais... Elle t'a battu plus d'une fois, Kat. J'ai perdu. J'ai deux unités. Oh. Oh, sûr. Tu as l'air d'essayer.
je te vois. Bah, Med. Adoué. Ouya. La conversation. Akil. Tu sais là. Osha. On te fera toute la compétition. Ah. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça fait légèrement penser à Squeezie quand même. Quand il dit celui qui gagne celle-là, il gagne tout. C'est tout difficile, cette fois je ne les perdrai pas. Je pense que sur le coup je suis quand même en train de gagner. Non. Non, tu me le laisses. Putain, c'est trop dur. Ah mais c'est pas des gemmes. Ah non mais là il y a un ennemi là. Attends. Moi je vais tuer plus qu'elle quand même. Je ne peux pas perdre. Quoi? Attends, j'ai pratiquement piqué tous ses kills. Piouf, j'ai fini. Piouf. Bon, c'est fait. Piouf. Enfin, bon, c'est pas grave. Je t'en vais taper une barre, quoi. C'est n'importe quoi. Ça s'est bien passé pour toi, Raven? Et bon. J'en ai moins que toi, tu as gagné. L'avez-vous? T'as, par contre, t'es la bonne perdante, toi, Raven. Oh, yeah. Ah, Noëlla. Je kiffe l'écho, quoi. J'ai gagné, j'ai battu Raven. Putain, quelle fierté. Qu'est-ce que vous avez pris de popcorn? Oh, mais ça y est, on a fait une grosse prise de retard. Comment ça, c'est des cadres opaques avec ma personnalité? C'est qu'elle sourit à nouveau. Oh, elle est trop mignonne! Oh, elle est trop mignonne. Elle a fait ça juste pour nous. Ah, mais c'est trop mignon. Non, par contre, il y a mon bras, enfin mon bras, le bras du micro qui est en train de se casser la gueule là, ça me... Je suis désolé s'il y a des bruits un petit peu qui vous gênent. Je vais régler mon micro. Okay, excusez-moi. Ah, putain, c'est juste que ça bouge pas là, ce micro. C'est vraiment plus simple. You.
Nah. Normalement, ça devrait être bon. Regardez-moi cette récolte. Vous valez une douzaine de minettes chacune. Non, mais s'il te plaît, le chat est... J'ai toujours ce problème avec le chat. Le chat, il est toujours devant, devant l'écran. Bon, par contre, tu peux te pousser, s'il te plaît, le chat, pour que je puisse regarder l'écran. Bon, vas-y, saute. Fais ce que t'as à faire. Fais ta vie. Vas-y. Vas-y, le chat. Je te believe. Bon, par contre, tu peux te dépêcher. Bon, attendez, je vais enlever le chat là parce qu'il est devant les croix. Ça... Voilà, merci. C'est insupportable. Merci, le chat, d'avoir renversé la bouteille. Donc, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a, Raven? Tu es fatigué? Non, j'ai juste tellement faim. Tu as toujours faim. Alors, mon chou, vous avez mérité un beau gros festin. Va être un repas pour plusieurs fois de travail. Et regardez-la un peu. Laissez-moi. Encore, j'ai de faim. Je n'ai fait que commencer. Il faudrait demander à ton pendant. Alors, tire la cadence. Ce plat était pour vous deux. Laissez-moi. Encore, moi aussi, j'ai faim. Comment ça, pourquoi ils étaient inquiets à propos de nos deux invités? Tu m'étonnes. Attends, mais t'as deux gloutons en face de toi, tu veux faire quoi? Les deux, on a petit ogre. C'est de quoi, Sanjo? Oh, c'est conclu, les événements du passé. Mais en même temps, tu veux faire quoi avec ces deux-là, quoi? Putain. Attends, je te jure, si jamais tu fais buffer à volonté, t'avais pas besoin de ranger au frigo le stock qu'il y a, quoi. Par contre, le chat, ne te mets pas sur moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Merci. Par contre, tu veux bien arrêter d'aller ici, s'il te plaît, le chat? Alors, qu'est-ce que c'est? Diminue la quantité d'énergie nécessaire pour réaliser un coup de pied gravitationnel. D'accord. Mais elle est trop mignonne, Raven. Pro de l'extraction minière. Je l'ai pas déjà celui-là? Attends. Sauvegarde. Hop, voilà, merci. Par contre, je sais pas quel que c'est. Ouais, c'est pas là-dedans. Combat du matin. Plus longtemps, les Rifterians durent plus longtemps. Un augmentation d'avantage des dégâts affichés. Attaque au style normal, oui, on s'en trouve. Le souhait et le chichi. Traiteur de gemmes. C'est pareil, il faudrait que je pense à les fusionner, les joueurs. C'est là-dedans. Pro de l'extraction minière. C'est là-dedans, hein. Ah, voilà. Attracteur de gemmes, attracteur de gemmes. Oh. Ah, je te dis, je vais avoir des gemmes avec ça. Ah putain, grosse portée. Hop. Bon, du coup, nouvelle catadex, là-bas. Hop, je vais rendre YouTube maintenant et on part tout de suite pour une nouvelle catanex. Du coup, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires que t'es heureux de me retrouver sur ce jeu, même si ça fait bien longtemps. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous dis à tout de suite YouTube. Salut.